Culture Média. Philippe Vandel. Et comme promis, c'est le portrait inattendu d'Hélène Manarino. Philippe Vandel. Marc-José Croz, vous connaissez Hélène Manarino? Non. Oh là là. Je vous découvre. Enchantée ce matin, enchantée. Bonjour Marie. Vous la connaissiez? Pourquoi vous la connaissiez? Bien sûr, quand même. Mais vous l'avez déjà vu en vrai ou pas? Oui. C'est un sacré numéro. Hein. Oui, je sais. Les deux sont un sacré numéro, je dois dire. Eh bien, très bien, on va bien s'entendre. Hélène, on vous écoute. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Ça a été une longue enquête, oui. Marie-Jo. Et oui, je commence direct par votre surnom. Parce que votre plus grand confident, celui qui sait tout de vous, c'est votre chat, Oscar. Mais je n'ai pas votre pouvoir, celui de parler au chat. Oscar, avec qui vous prenez des thés régulièrement dans Paris, à c'est qui vrai. Vous pouvez demander conseil aussi, oui, pour vrai. Prendre telle ou telle décision. Arrêtez. Oui, moi, j'ai vrai. Un chat, je lui parle, je lui dis ça va bien, Pauluche. Mais je ne lui demande pas de conseil. Vous lui demandez quoi comme conseil à votre chat? Si, je lui demande, par exemple, là, je vais tourner à l'étranger, si elle a envie de venir. Et je peux lire dans son œil si elle a envie de venir ou pas. Si c'est, par exemple, je lui demande si elle veut sortir et elle me répond, quoi. Ouais. Et je la mets dans un sac et on part. Oui, mais ce n'est pas un conseil, ça. C'est pas un conseil oui, non, on n'ira peut-être pas jusqu'au conseil, par exemple. Mais quand même, déjà. C'est un chat, en tout cas. Donc, c'est une chatte qui sent les gens. Voilà, il y a des gens qu'elle aime, qu'elle n'aime pas. C'est vrai. Voilà, donc elle a ce petit pouvoir, quand même, que vous avez aussi. Alors, j'ai quand même réussi à la convaincre de me parler et on va pouvoir dévoiler qui se cache derrière celle qui n'a peur de rien ni de personne, qui est capable de dire à un réalisateur très connu « t'es nul ». Pas de hiérarchie sociale chez vous, Marie-José Croz. Le droit, la parité, la morale avant tout. Ce qui vous agace, les acteurs qui jouent mal, et vous leur dites sans filtre, évidemment, vous êtes entière. Vous investissez toujours à 400% dans vos rôles. Vous pouvez vous raser la tête, vous teindre les cheveux, prendre 15 kilos, même si vous pensez que c'est nécessaire sans qu'on vous le demande. Vous avez un instinct hors du commun, un sixième sens, vous savez ce qu'il faut faire ou pas. Et vous pensez aussi que les gens sont fous, et vous dites d'ailleurs très souvent cette phrase, les gens sont dingues. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, alors vous êtes normal, non, franchement. Mais alors, moi, je pense que oui, les gens sont dingues. Et ce qui peut vous mettre très, très en colère, et on va le dire ce matin parce que ça fait du bien de le dire, ce sont les cons. Ah oui, mon Dieu. Ah, vous oui. détestez ah, les oui. cons. C'est vrai. Mais ça se manifeste comment? Oh ben, je sais pas. Non, mais les cons, c'est les gens qui travaillent mal ou qui sont pas à leur place, ah ouais. par exemple. Quelqu'un qui est pas à sa place. J'espère que je suis à ma place, moi. Mais toi, ta place. Moi aussi. Bon, je continue. Attends, t'as pas fini. Non, j'ai pas fini. Vous aimez observer les gens et vous êtes capable aussi de les mimer à la perfection. Vous chopez toutes les gestuelles. Non. Mais surtout, quand même, il y a des choses qui vous font du bien, vraiment du bien. Et ça commence en musique. Should I stay or should I go now? Ah ben. Ça, c'est la question qu'elle pose à son chat. Un petit morceau des Clash pour commencer. J'adore. Alors, tous les matins, vous avez vos petits rituels. Vous faites votre grande revue de presse nationale et internationale. Vous êtes incollable sur l'actualité et sur la politique aussi. Wow. Vient ensuite votre yoga pour vous détendre. Alors, Marie-José Croz, vous êtes aussi une passionnée de Paris, cette ville qui continue de vous émerveiller depuis tant d'années. Paris, ses surprises, ses petits coins cachés. Vous êtes également une très bonne cuisinière, végétarienne. Eh ben oui, c'est ce qu'on dit de vous. Ouais. Mais vous autorisez parfois un petit bout de porc, quand même. Ça, c'est vrai. Mais c'est ce vrai. Que vous pouvez... C'est le seul animal que je mange. Ouais. Ce que vous pouvez déguster tous les jours, sans modération, ce sont les frites. Et on parle de passion. Mais c'est pas vrai. Je sais qui vous a donné toutes ces infos. Non, mais c'est pas possible. Vous mangez pas des frites tous les jours. J'adore vous avez, vous avez une allure de jeune fille. Oui, mais je sais, j'adore les frites. Ouais, mais elles passent où? Je sais pas. Mais j'ai rien. C'est pas possible, c'est pas juste. Bonne vivante, vous aimez vous mettre à table, boire, raconter quelques bêtises, enchaîner les films comme une vraie cinéphile, revoir par exemple La Mouche. Et il y en a un qui fait mouche chez vous d'ailleurs, mais dans le bon sens. On parlait de votre chat, votre héros. Mais il y en a un autre dont vous êtes fan, vous l'adorez. C'est même plus que ça, c'est Michel Houellebecq. Ah oui, ah oui. Vraiment. Vous l'aimez beaucoup. Oui, vous le connaissez? Non, non, je le connais pas. Et vous souhaitez me le rencontrer ou pas? Il aime pas les chats par exemple, donc ça c'est le point qu'on a pas en commun, lui d'accord. et moi, malheureusement. Donc, mais vous souhaitez le rencontrer ou au contraire, parfois, on ne veut pas rencontrer ses idoles pour ne pas détruire un mythe? En fait, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire que moi, je crois au hasard. Donc, si un jour je devais le rencontrer, je crois que ça se présentera ou pas. Mais je ne veux pas faire une démarche pour le rencontrer. Mais en effet, je connais bien son œuvre et il me fait beaucoup rire. Et je lis toutes les interviews, je regarde toutes les interviews avec lui. Ouais. Je trouve admirable. Et il est très, très drôle en interview. Oui. Alors, je suis en charge aussi ce matin de percer un mystère sur quelque chose de très précis. C'est vos spectacles de music-hall avec Virginie Ledoyen où vous devez travailler sur le périnée. Quoi ?
Alors, écoutez, c'est quoi ça je vous dis cette phrase telle quelle, musical périnée, et je dois avoir votre explication je ce matin. C'est quoi je ne me souviens plus de ça. Non. C'était il n'y a pas longtemps, en plus, c'était une blague. Ouais. Je ne sais plus ce que c'était, mais je ne pourrais pas vous la raconter. Ça nous a fait rire à cette époque. Mais vous avez fait un spectacle. Je crois qu'on était. On était après un spectacle de théâtre. Il y avait la fête de fin de ce spectacle. Ouais. On était en boîte de nuit, et moi je déteste ça, et Virginie aussi. Et je ne sais pas, je crois qu'on a dû faire semblant de s'amuser, puis on a dit bah, tiens, on va faire des exercices. Je ne sais pas, je crois que c'était ça, quelque chose sur le comme périnée. Ça. Ouais. Alors, oui. Vous avez déclaré. C'est dans une boîte de nuit, dire bah, tiens, c'est on va faire un spectacle. Alors, vous avez déclaré on ne me fait jamais de compliments, on me dit que je suis folle et je le prends bien. Il n'y a pas de grands esprits sans grain de folie, Marie-Josée Croze. Qui dit ça? Merci, Hélène. C'est moi qui vous le dis. C'est elle qui nous dit. C'était une phrase de Hélène Arino. Ça aussi. Donc, vous n'êtes pas loin, vous êtes cousin-cousine peut-être. Ah, maintenant, j'ai repris la phrase de quelqu'un, mais je le pense de vous, je vous le dis ce matin. Franchement, voilà. Mais je suis d'accord avec vous, parce que moi, la première fois que j'ai vu Hélène Manarino, aussitôt, j'ai pensé à Nietzsche.